Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette toute première vidéo qui va, comme vous l'aurez compris, être le début d'une saga dédiée à la spiritualité afin que l'on puisse répondre ensemble à cette grande question: qu'est-ce que la spiritualité ? Un mot qui est extrêmement à la mode depuis quelques temps, puisque ça fait déjà quelques années qu'on peut noter ce mouvement, cette recrudescence de spiritualité, ce besoin de foi, de se rattacher à quelque chose, puisqu'aujourd'hui la plupart des gens ne croient plus vraiment aux dires des églises, des religions, mais ils ont aussi besoin de se rattacher à quelque chose, car l'être humain est ainsi fait, il n'est pas fait que pour être concret et pragmatique. L'être humain, depuis que l'homme est homme, il a toujours cru en des dieux, il a toujours eu des superstitions, il a toujours vénéré des cultes particuliers. Donc ça fait partie de notre patrimoine, de notre même ADN, j'ai envie de dire. Mais la spiritualité, c'est un mot un petit peu fourre-tout dans lequel on va mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui va être passionné par la nature va être spirituel. Quelqu'un qui fait du yoga va être spirituel. Quelqu'un qui va être intéressé par, je sais pas, l'apprentissage des pierres va être spirituel. Mais est-ce qu'on peut vraiment employer ce mot pour définir tout un tas de catégories et de personnes qui vont pratiquer plus ou moins des choses qui sont, on va dire, hors normes par rapport à la normalité des religion et on va dire de la spiritualité classique. J'espère que vous me suivez dans ce que je dis. Pour moi, la réponse est non, puisque la spiritualité ne va pas dépendre d'une pratique, mais avant tout d'un état d'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez pratiquer la Wicca que vous êtes quelqu'un de spirituel. Ce n'est pas parce que vous allez tirer le tarot ou des oracles que vous êtes quelqu'un de spirituel. Ce n'est pas parce que vous êtes diplômé en psychologie que vous êtes quelqu'un de spirituel. Si on regarde un petit peu la définition de ce mot spirituel, on nous parle, pour faire simple, de personnes qui ont une certaine forme de conscience. On pourrait même parler d'éveil, d'illumination, pour des termes un petit peu plus péjoratifs, on va dire. Et en fin de compte, on ne sait pas vraiment définir ce qu'est la spiritualité. Comme d'habitude, ce que je m'apprête à vous dire n'est pas l'ultime vérité, qu'on soit bien d'accord, c'est simplement le reflet de ma vision personnelle, de ce que je ressens et de ce que je pense être en adéquation avec ma vision personnelle. Autrement dit, ce que je m'apprête à vous dire dans cette vidéo n'engage que moi et moi seul, qu'on soit bien d'accord. Dans cette saga de vidéos que je m'apprête à faire, on va essayer ensemble de découvrir notre spiritualité ou de la redécouvrir. Car en effet, à force bien de manger un petit peu à tous les râteliers, comme on pourrait dire une sorte de buffet géant, si on prend plein de plats qu'on met dans une assiette, on sait plus vraiment ce qu'on mange. Et aujourd'hui, c'est ça le problème avec la spiritualité, c'est que on a énormément d'offres sur le marché et on va comme ça piocher, prendre un petit peu tout ce qui va nous correspondre, on fait notre micmac, notre petite sauce, et ça fait, pouf, notre foi, notre spiritualité. Pour moi, alors, dans le fond, oui, effectivement, on peut faire comme ça, mais en même temps, la spiritualité, comme je l'ai dit, ne dépend pas de votre pratique, mais va dépendre avant tout de votre état d'esprit, de ce qu'il y a dans votre conscience, de ce qu'il y a dans votre âme, dans ce qu'il y a dans votre esprit, ce qui fait votre identité. Et justement, pour moi, la première étape qui va définir votre spiritualité dépend avant tout de votre identité. Et là, je parle d'identité au sens large du terme. Comme vous le savez, depuis quelques mois, il y a une sorte de... Pour moi, c'est une mode. Alors, je suis désolé, ce n'a pas pour but de vexer, d'offenser, de blesser qui que ce soit, qu'on soit bien d'accord, encore une fois. Donc inutile de faire après de la cancel culture, de mettre des commentaires désobligeants ou autres. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'on se met d'accord, puisqu'aujourd'hui, si on a le malheur de prononcer certains mots, ça y est, on se retrouve être le diable et ci et ça. Donc s'il vous plaît, soyons tous bienveillants, faisons appel à notre réflexion, à notre intelligence, puisque l'homme se dit être un être évolué. Alors prouvons que nous sommes évolués et que nous sommes capables de pouvoir parler de tout sans se foutre sur la tronche. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, on peut voir plusieurs qualificatifs, plusieurs dénominations afin que chaque personne puisse trouver son identité. Pour moi, je trouve
ceci à la fois bénéfique, mais aussi très malsain, dans le sens où la société, quelque part, vous impose une nouvelle normalité, vous impose de nouveaux dictats qui font que vous-même, vous allez être perdu en vous disant « Alors attends, mais je me sens pas vraiment être ceci, je me sens pas non plus être cela. » Et tout ça fait que vous allez avoir tendance à vous perdre naturellement dans votre identité. Tout d'abord, pour définir votre identité, vous devez impérativement vous détacher de la société. Vous devez vous détacher des réseaux sociaux, des buzz, des modes, des personnalités qui vont imposer de nouvelles normes ou de nouveaux dictats, puisque l'identité, c'est avant tout quelque chose qui est personnel. C'est un travail d'introspection que l'on fait sur soi, et on ne doit pas être influencé par Pierre, par Paul, par Jacques, ou par tout autre mouvement, ou par des hashtags, ou je ne sais quoi. Pour appeler un chat, je fais référence à toutes ces nouvelles identités qui sont en train de se créer, comme par exemple le pronom IUL, comme ces titres de non-binaire, non-genré, etc. Alors, je ne suis pas du tout là pour faire polémique, ni pour faire débat, qu'on soit bien d'accord, donc je vous inviterai à être respectueux les uns envers les autres. Chacun est bien sûr libre de croire ce qu'il a envie, chacun est libre d'avoir sa propre conviction sans l'imposer à qui que ce soit. Et c'est ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on cherche à nous imposer les choses. Ce n'est pas suggéré, ce n'est pas proposé, ce n'est pas offert. Non, c'est imposé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui ça ne va pas coller avec leurs convictions, mais on est obligé, on leur impose de penser comme ceci, d'être politiquement correct, sinon ils sont contre la société, ils sont racistes, ils sont ceci, ils sont homophobes, ils sont cela. Pas du tout! Absolument pas. Moi, je vais vous prendre un exemple très concret. J'habite chez moi, dans ma maison. S'il y avait quelqu'un demain qui devait débarquer chez moi, sans me demander mon avis, et qui pose ses affaires, qui prend possession de mon environnement, de ma bulle, et que bah, je commence à rouspéter, mais qu'on me dise « Non, mais c'est comme ça, tu t'es, si t'es pas d'accord, c'est la même chose. » Ben non, moi ça me dérange, on n'impose pas les choses, on n'impose pas une façon de penser, de réfléchir, si ça ne colle pas avec ma conviction. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que la société impose les choses sans vous laisser le choix. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, si vous n'acquiescez pas avec ces nouvelles normes, alors c'est vous le problème. Soyons concrets et objectifs 2 minutes, le problème n'est pas vous, ni les personnes qui s'identifient à ces nouveaux qualificatifs. Non, le problème vient de ceux qui imposent ça et qui vont en fait créer des dissonances entre les personnes qui vont naturellement, hein, c'est connu l'adage de diviser pour mieux régner, et bien à travers ces campagnes, pour moi ce sont des campagnes commerciales avant tout, c'est une forme de campagne commerciale, pour quelque part diviser une communauté, hein, puisque quelque part on s'en fout de savoir que c'était gay, c'était bi, c'était... on s'en fout, on est tous ensemble, dans un même pays, sur la même planète, eh bien non, le fait de créer des minorités qui vont chacune avoir leur propre identité et les mettre finalement en confrontation, ça permet justement de pouvoir diviser et pouvoir mieux diriger ces mêmes communautés. Vous voyez où je veux en venir? Alors là, on va me traiter de complotiste et tout ce que vous voulez, libre à vous, mais en tant que, j'ai envie de dire, alors je ne suis pas sociologue, je ne suis pas non plus spécialiste dans l'analyse du comportement de l'être humain, etc., etc., donc je ne vais pas me permettre de me lancer dans de grandes théories, mais il suffit juste de faire appel à sa logique et de voir ce qui est en train de se produire aujourd'hui pour, eh bien, tout simplement identifier, voilà, qu'il y a des petits groupes qui sont en train de se faire, qu'on est en train de fragmenter la population en plusieurs minorités et chacune, on les dresse plus ou moins les unes contre les autres avec différents outils comme la peur, comme l'incompréhension, etc., etc. Pourquoi j'emploie le terme d'incompréhension? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien le problème avec l'identité, c'est qu'à force de créer plusieurs identités et plein de choses qui... pourrait mériter qu'on en discute, mais sérieusement, sans se mettre sur la tronche, sans faire de cancel culture, sans... Non, juste qu'on en débatte réellement, qu'on en discute intelligemment, qu'on pose aussi les fondements, j'ai envie de dire, biologiques, morphologiques, etc., qu'on puisse vraiment en discuter. Parce que pour moi, c'est un problème de fond, c'est pas un problème de forme. Parce que finalement, le pronom IEL ou d'autres, ce sont des formes.
Ça traite pas le sujet de fond, ça ne règle pas le problème de fond. En gros, pour moi, c'est encore une façon de faciliter les choses, hein. Ah bah tiens, on va créer ça, on va créer ça, et puis pouf, chacun se met dans la case qu'il veut. Alors que non, il n'y a pas à rentrer dans une case. Nous ne sommes pas des numéros, nous ne sommes pas des chiffres. Si, bien sûr, chaque être humain possède un numéro, hein, donc quelque part nous sommes des numéros, mais ça aussi, on ne devrait pas avoir de numéros en fait, hein. On n'est pas du bétail, on n'est pas d'ailleurs. Aucun être vivant ne devrait avoir un numéro. Chaque être vivant est unique. Hein. Même chez les animaux, je suis désolé, vous prenez 10 chats, les 10 chats ne sont pas les mêmes. Hein. Chacun va avoir sa personnalité, chacun va avoir son trait de caractère. Donc même les plantes, hein, même chez les végétaux, ils vont avoir leurs caractéristiques, ils vont avoir leurs effets. On peut même avoir une même plante qui va se décliner en plusieurs choses. À savoir, par exemple, une plante qui serait toxique, eh bien, il y en a une qui va avoir plus de toxines qu'une autre. Enfin, vous voyez, même, j'ai envie de dire, chez tous les êtres vivants, chacun va avoir sa caractéristique. Donc, on ne peut pas juste être un numéro, rentrer dans une case spécifique. Non, ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est la société qui tend toujours à nous cataloguer dans telle case, alors que non, vous êtes tous uniques. Et c'est là où je veux en venir, c'est que on s'en fout de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce en quoi vous croyez, on s'en tape. Parce que votre identité, c'est quelque chose qui est personnel, qui ne se définit pas à travers des dictats, qui ne se définit pas à travers des caractéristiques sur un papier, sur un questionnaire ou autre. Non, votre identité, c'est quelque chose que vous devez travailler de façon très égoïste. Vous ne devez demander l'avis à personne, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est pourquoi tous ces dénominatifs, je prends par exemple ne serait-ce que la communauté à laquelle j'appartiens, à savoir LGBT. Aujourd'hui, on dit plus LGBT, il faut dire LGBT, Q, R+, WZ, même moi, je connais même pas toutes les lettres, je sais même pas à quoi ça correspond, et pire encore, je ne sais même pas les dénominatifs, à quoi ils correspondent eux-mêmes. Hein. Par exemple, je prends le terme queer, je sais même pas ce que c'est, je saurais même pas le définir. Si je prends par exemple aussi le terme de pansexuel, je ne sais même pas ce que c'est, c'est-à-dire que pansexuel, pour moi, j'arrive pas à voir la différence entre pansexuel et bisexuel, hein, puisque quelqu'un qui est bi, c'est quelqu'un qui va aimer tout le monde, hein, qui n'est pas rattaché à un genre spécifique, non, il va aimer tout le monde. Et pansexuel, d'après le peu que j'ai compris, alors pardonnez mon ignorance si jamais je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose. Vous voyez, j'ai l'impression que déjà dans les déclinaisons qu'il y a, on a créé des sous-déclinaisons, un peu comme une arborescence dans l'explorateur Windows, hein, où on crée un dossier, et puis dans ce dossier, on fait des sous-dossiers et dans chaque sous-dossier, on refait encore des sous-dossiers avec des sous-catégories. Bon, au bout d'un moment, quand même, les sous-catégories, elles se rejoignent un petit peu. Hein. Je prends un exemple très concret. Magie blanche, magie verte, magie noire, magie rouge. D'accord, en fait, c'est tout rattaché sur le thème magie. Hein. Bon, finalement, on s'en fout que ce soit noir, blanc, rouge, vert. Ça revient à pratiquer la magie avec tout simplement des intentions. Vous voyez, bah, l'identité, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que on s'en fout finalement des racines, on s'en fiche, c'est un seul dossier. Voilà, pour moi, c'est un seul dossier dans lequel vous êtes le seul à gérer votre dossier. C'est-à-dire que c'est à vous de définir eh bien, à quel genre vous vous sentez appartenir, si vous sentez plus être un homme, si vous sentez plus être une femme, si vous aimez les hommes, si vous aimez les femmes. Enfin, je veux dire, personne n'a à vous dicter qui vous êtes, ce que vous devez aimer, comment vous devez vous comporter, comment vous devez vous appeler. J'ai envie de vous dire que là aussi, il n'y a pas à créer, il n'y a pas à inventer des identités. À vous de vous définir comme vous, vous en avez envie. Si moi, demain, j'ai envie de me faire appeler améthyste, je me ferai appeler améthyste, puis c'est tout. Pour moi, voilà, améthyste, ça sera, je sais pas, un terme spirituel, un statut, je sais pas, quelque chose qui me définirait moi, parce qu'améthyste, de base, c'est de la couleur violette, ça parle de spiritualité, ça, vous voyez, enfin, du coup, le terme améthyste pourrait regrouper plein de choses, vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme le langage, enfin tout ce qui est symbole, on pourrait parler des hiéroglyphes, on pourrait parler du mandarin, du japonais, etc. où les symboles ne définissent pas forcément un mot, mais plutôt une idée ou un concept, vous voyez ? Eh bien, j'ai envie de dire que nous sommes tous, finalement, des hiéroglyphes. On ne peut pas nous définir exactement, ça ne se définit pas exactement, mais ça représente plutôt un concept, une idée, une philosophie.
tout simplement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. C'est pourquoi, avant de parler de spiritualité, vous devez vous définir en tant qu'être vivant, trouver votre propre identité. Trouver son identité physique, corporelle, pour nommer le il, le elle, le iul, hein, j'ai appelé ça comme ça, le corporel. Ça, c'est votre première étape. Ensuite, vous avez votre identité, j'ai envie de dire, plus évoluée, plus profonde. Votre identité qui va se composer des choses auxquelles vous croyez, de vos convictions profondes. Je prends un exemple très concret. Est-ce que vous croyez à la politesse? Est-ce que pour vous, bonjour, merci, au revoir avec un sourire fait partie de votre normalité? Ou est-ce que vous êtes comme Tati Daniel, que votre normalité c'est de faire la tronche et d'agresser tout le monde? Voilà. Bon, bah, là encore, la société n'a pas à vous dire que la politesse est bien vue et l'agressivité est mal vue. Si vous avez envie d'être mal léché, d'être grincheux toute la journée, eh bien libre à vous. C'est que ça fait partie aussi de votre identité. Donc il faut qu'on apprenne à vous aimer tel quel. Hein. On est habitué, bah voilà, vous souriez pas bah, parce que vous n'avez pas envie de sourire. Donc vous n'allez pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Vous n'avez pas envie de dire bonjour, ben dites pas bonjour. Mais ce n'est pas à nous de vous dire, oh là, ça c'est pas bien ce que tu fais. Mais c'est pas bien de quoi? Qui a défini des règles pour dire ce qui était bien et ce qui était mal? Est-ce que l'univers, est-ce que le cosmos, il y a des règles qui définissent que ça c'est bien, ça c'est pas bien? Même dans l'univers, il y a des inégalités. Regardez notre soleil il est tout petit par rapport à d'autres étoiles supermassives. Ben c'est pas juste, pourquoi notre soleil il est tout petit? Hein, il méritait pas d'être plus gros lui aussi, hein? Pourquoi la planète elle est bleue? Pourquoi l'eau elle est de couleur bleue? Elle pouvait pas être de couleur verte, pourquoi elle a choisi le bleu? Vous voyez, enfin, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de logique. L'univers et le cosmos autant sont gérés par des règles, on va dire, de sciences quantiques, etc., des lois, etc. Mais en soi, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que les étoiles font ce qu'elles veulent, les planètes font ce qu'elles veulent, le temps, l'espace font ce qu'ils ont envie de faire et ne sont régis par aucune loi ou règle ou dictat que l'être humain adore faire et imposer. Hein, non. Eh bien, suivez ce même exemple. C'est-à-dire que n'oubliez pas que vous êtes avant tout un gros amas d'atomes. Voilà, vous êtes ni plus ni moins que des atomes bien agencés, voilà, qui fonctionnent grâce à des courants électriques, etc., qui se mouvent à travers l'espace et le temps, hein, ni plus ni moins. Et ce qui va définir votre identité, c'est pas ça, parce que concrètement, on est 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, sans parler des êtres vivants, des animaux, des végétaux, etc. Nous sommes tous des amas d'atomes, des amas de chair, des amas de cellules, des... voilà, c'est tout. On est tous exactement la même chose. Par contre, ce qui définit notre identité, ça ne se définit pas à travers ce qu'on reflète, qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez ou pas? Vos convictions, c'est exactement la même chose. Vos convictions vont être définies par rapport à ce que vous jugez être juste. Si par exemple le fait de faire une promesse et tenir votre promesse, parce que pour vous une promesse c'est sacré, c'est un engagement, eh bien si vous, ça vous est cher à votre cœur, eh bien cela fait partie de vos convictions. Prenons un autre exemple, la fidélité en amour. La société nous a imposé comme dictat et comme normalité qu'être fidèle en amour, c'est bien. Être infidèle, c'est mal. D'accord. Mais l'être humain, est-ce qu'il est réellement conçu pour être fidèle? N'oubliez pas que l'être humain, avant tout, est un animal et qu'il possède un cerveau résiduel, un cerveau primaire, j'ai envie de dire, dans lequel est stocké le besoin de se reproduire. Et cette reproduction passe par le fait que la vie, eh bien la vie parfois elle peut être extrêmement cruelle, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un bébé qui ne soit pas viable, hein. Donc pour s'assurer qu'on perpétue bien notre patrimoine génétique, eh bien on va en faire le plus possible, hein, semer notre petite graine partout où on peut pour être sûr qu'il y en ait au moins une qui puisse être fertilisée et donner quelque chose, voyez. Donc par conséquent, est-ce que finalement la fidélité en amour, c'est quelque chose de naturel pour l'être humain, sachant qu'il est au contraire programmé pour se reproduire et disperser sa graine absolument partout? Vous voyez, il y a plusieurs questions comme ça de fond et non pas de forme, hein. Mais encore une fois, on vous fait comprendre que la fidélité en amour, c'est bien. Et si vous êtes infidèle, c'est mal. C'est pas bien la tromperie, d'accord. Mais est-ce qu'il serait pas mieux, finalement, d'établir ses propres règles, ses propres codes, si vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas quelqu'un de fidèle lorsque vous allez rencontrer quelqu'un? Pourquoi ne pas jouer la transparence et lui dire, écoute, moi, physiquement, je ne peux pas être fidèle, j'ai certains besoins, j'ai certaines pulsions, sans
sans culpabilité. Enfin, il n'y a pas à culpabiliser de sa nature véritable. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. Ne vous imposez pas ça, parce que c'est comme ça que vous allez finir par être frustré, que vous allez développer certaines pathologies, alors autant physiques que mentales. Hein, ça peut être la dépression, du burn-out, etc. Parce que du coup, jouer les femmes modèles, les maris modèles, etc., ben, c'est pas à vous, ça vous ressemble pas. Et c'est comme ça que vous allez devenir malheureux, c'est comme ça que vous allez développer les mensonges, etc., etc. Alors que non, si les choses pouvaient être claires, si les choses pouvaient être sincères et honnêtes, acceptons qui nous sommes, notre identité, acceptons-nous tel que nous sommes. Hein, n'ayons pas honte, c'est ce que justement la société cherche à faire, c'est vous rendre coupable, vous faire culpabiliser. Oh, tu as mangé un éclair en chocolat alors que tu es au régime, c'est pas bien, tu vas grossir. Et les gros sont mal vus dans la société. Vous voyez, vous êtes dans ce schéma mental, dans ce cercle vicieux. De plus, on a aussi tous reçu une éducation judéo-chrétienne, pour les occidentaux bien sûr, hein, pour ceux qui sont dispatchés ailleurs sur le globe, ils ont reçu chacun leur éducation qui va être issue d'une culture également. C'est pour ça que il peut y avoir des dissonances aussi quand on cherche à coupler des cultures. Alors, c'est pas une question de racisme, là encore, hein, parce qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, on peut plus rien dire. C'est quand même malheureux, c'est quand même triste. Simplement, il y a des cultures qui vont prôner certaines valeurs, qui vont prôner certaines convictions, qui ne seront pas forcément en adéquation avec nos convictions à nous. Et le fait de les imposer comme ça, parce qu'il faut les mélanger, hein, parce que c'est bien vu, parce que c'est la société qui veut ça... Eh ben non, ça marche pas toujours, hein, tout simplement. Regardez, je prends un exemple très concret. Je suis abonné à plusieurs chaînes de Français qui vivent au Japon. J'adore leurs chaînes, j'adore la culture qu'ils nous partagent du Japon. Et ces Français-là, eh bien, ils parlent le japonais, ils vivent comme des Japonais, mais ils ne seront jamais japonais. C'est-à-dire que même s'ils sont complètement intégrés à la culture, dans leur soit dans leur moi profond, dans leur identité, dans leur gène, dans leur ADN, ils ne seront malheureusement jamais japonais. Et eux-mêmes le disent, hein, parfois quand ils vont dans des lieux, eh bien les japonais vont les traiter d'une façon, même si voilà, ils parlent très bien japonais, machin et tout, eh ben ils vont être traités d'une certaine façon qui vont leur faire comprendre qu'ils n'appartiennent pas vraiment au Japon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours cette petite marque quand même, hein, cette petite distance. Bon, là en l'occurrence, c'est pas du racisme, hein, ce que je suis en train de dire, c'est juste que les Japonais, ils aiment bien faire, ils aiment donner, et si ils pensent qu'ils vont mal faire la chose parce qu'ils vous comprennent pas trop, du coup, ils vont vous dire non. Hein. C'est pas pour vous blesser, mais c'est au contraire parce qu'ils voudraient bien faire avec vous, mais comme ils ont peur de mal faire, donc du coup, ils vont vous dire non. Voilà. Vous voyez, c'est un très bel exemple pour vous illustrer la différence des cultures. C'est-à-dire que on peut avoir peur de son prochain et réciproquement aussi, mais c'est pas parce qu'on s'aime pas les uns les autres, non, c'est parce qu'on a peur de mal faire, parce qu'on ne comprend pas forcément les cultures de tous, et ce qui va être bien vu chez nous sera peut-être mal vu ailleurs, et inversement. Je prends la couleur blanche. La couleur blanche en Chine, c'est plutôt la couleur du deuil. Hein. Rappelez-vous, il y a quelques années, le scandale qu'avait fait Ségolène Royal quand elle avait débarqué tout en blanc. Alors que chez nous, le blanc, c'est la pureté, c'est les anges, c'est la lumière. Bon, ben voilà, voyez, vous débarquez dans un autre pays avec une couleur que vous pensez être bien, et en fin de compte, diplomatiquement, c'est pas terrible. Bon, et ben ça s'appelle la différence de culture, et ça définit aussi l'identité. Mais ça, c'est une identité plus profonde, plus ancrée, c'est une identité culturelle. Donc c'est encore autre chose, l'identité culturelle ne vient pas forcément définir l'identité individuelle et personnelle de chaque individu. Ok ? Une fois que vous aurez identifié votre identité corporelle, votre identité de conviction, il va falloir identifier votre identité de foi, c'est-à-dire ce en quoi vous croyez réellement. Et ça va être extrêmement important puisque c'est ça qui va venir définir votre pratique magique. Alors quand je dis magique, là aussi magique est un terme générique pour parler de, je sais pas moi, de cartomancie, de religion, de wicca, de satanisme, de bouddhisme, de bref, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, mais vous allez devoir définir ce en quoi vous croyez réellement. C'est-à-dire, on va prendre des exemples très concrets pour que vous puissiez y répondre au fur et à mesure sur la vidéo. Est-ce que les extraterrestres, vous y croyez ou non? Est-ce que pour vous, il est possible qu'une autre vie
évoluer ou non soit probable sur les multitudes de mondes qui existent dans notre univers. Ou à l'inverse, pour vous, est-ce que vous pensez que nous sommes le fruit d'une coïncidence incroyable, d'un hasard incroyable qui fait que, pouf, nous sommes les seuls et qu'il n'y a absolument personne autour de nous? Pareil, on s'en fout de la réponse. C'est oui, c'est non. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est pas parce que vous allez me dire, bah non, je crois pas aux extraterrestres, que je vais vous bannir de la chaîne. Ou l'inverse. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Autre question, est-ce que vous croyez à Dieu? Alors, là aussi, on pourrait parler, hein, on pourrait sous-définir plein de choses. Dieu, de quel Dieu je parle? Est-ce que je parle du Dieu chrétien? Est-ce que je parle du Dieu musulman? Est-ce que je parle du Dieu juif? Est-ce que je parle... De quel Dieu je parle? On s'en fout, on s'en fout. Est-ce que vous croyez en Dieu? Point, tout simplement. Ça, là aussi, il n'y a pas de dénominatif, on s'en fout. Est-ce que, pour vous, vous croyez en Dieu? Et si ce n'est pas Dieu, est-ce que vous croyez en une force supérieure qui gère l'univers, le cosmos ou autre, ou tout simplement une force qui est au-dessus de nous? Est-ce que vous croyez au démon ou au diable? Shaitan, là aussi, vous mettez tous les dominatifs que vous voulez, je m'en fous. Est-ce que vous croyez en une force ténébreuse, hein, qui viendrait en opposition à la lumière, lumière et ténèbres? Est-ce que pour vous, c'est un concept qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose en quoi vous croyez? Voilà. Là aussi, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est oui, c'est non, on s'en fout. Ça définit votre identité, d'accord? Ensuite, est-ce que vous croyez, eh bien, à tout un tas d'autres choses, hein, n'oubliez pas les dossiers, sous-dossiers et sous-dossiers. Ben là, c'est pareil. En quoi je crois, ça, c'est le dossier principal. En quoi je crois, vous double-cliquez dessus et pouf, ça vous met d'autres sous-dossiers. Dieu, diable, fantôme, extraterrestre, loup-garou, j'en sais rien, complot des gouvernements, je ne sais pas, vous mettez tout ce que vous voulez. Mais posez-vous ces questions, mais vraiment faites-le de façon sincère. En quoi croyez-vous exactement? Parce que je vois énormément de personnes qui se lancent dans des pratiques, mais des pratiques qui, je trouve, ne collent pas à leur identité. Je vais prendre un exemple très concret. Je connais des personnes qui vont pratiquer des cultes anciens qui sont rattachés à l'Antiquité, tels que le Panthéon romain, le panthéon grec, le panthéon égyptien, etc. D'accord, mais est-ce que, déjà, question toute bête, est-ce que vous êtes romain, est-ce que vous êtes grec, est-ce que vous êtes égyptien? Oui, non, là aussi, il n'y a pas de mauvaise réponse. En fonction de ce que vous allez vous répondre vous-même, eh bien, on va détailler la question. Ok, donc oui, je suis romain, peut-être que ça peut venir de mes origines, hein, de mes aïeuls, etc., qu'il reste à l'intérieur de moi un gène, parce que sachez que la spiritualité peut être transmise dans l'ADN. Alors on sait pas trop comment, on sait pas pourquoi non plus, mais le fait de croire, c'est quelque chose qui fait un peu partie de l'ADN. Hein. Je prends un exemple très concret, mais moi mes deux familles, maternelle et paternelle, sont croyantes toutes les deux. Bah j'ai envie de dire, hein, les chiens font pas des chats, voilà. Après il peut y avoir des exceptions. Vous pouvez très bien être issu de familles qui ne croient en rien, mais vous en revanche vous croyez en tout, au Père Noël, à la petite souris, absolument en tout. Il peut y avoir des exceptions, d'accord? Ce que je suis en train de dire, encore une fois, n'est pas une normalité, n'est pas une règle absolue. Hein. Mais voilà, donc je reprends l'exemple des Romains. Ok, je suis Romain, donc peut-être que, voilà, c'est mes ancêtres qui m'ont transmis ce truc avec le Panthéon romain ou autre. Si non, au contraire, la question à se poser, c'est pourquoi je suis attiré par ce Panthéon? Qu'est-ce qui me parle? Est-ce que je suis un mouvement? Est-ce que je me suis fait influencer par quelque chose? C'est-à-dire que j'aime beaucoup, par exemple, les films, les péplums, et du coup, bah, j'ai envie d'être plus ou moins ces personnages que je vois dans mes films ou que je lis dans mes ouvrages, tout ça, et j'ai envie, moi aussi, de vénérer un culte à Vénus ou je sais pas quoi. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais il faut que ça soit sincère. Ne le faites pas parce que vous avez été influencé. Faites-le parce que pour vous, Vénus, vous êtes convaincu que Vénus existe, que la déesse Vénus existe. Si vous faites, je sais pas, si vous travaillez avec le panthéon égyptien, soyez convaincu aussi que Thoth existe, que Anubis existe. Si vous faites les choses juste pour les faire ou juste parce qu'on vous a dit que telle divinité travaillait ceci ou cela et que vous demandez l'aide, j'ai envie de dire, de tout le monde, ça a plus vraiment d'intérêt en fait, ça a plus vraiment de sens. C'est-à-dire que votre spiritualité doit refléter ce en quoi vous croyez réellement. Je prends un exemple très concret, venez voir la bibliothèque que j'ai, tous les ouvrages que je vais avoir, ils ont tous un lien, ils ont tous un fil rouge entre eux. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver des choses qui vont dénoter. Au contraire, on va retrouver, on va dire, une sorte de thématique
qui va incarner ce en quoi je crois. Donc moi, ma thématique va tourner autour de Gaïa, de la nature, de l'univers, du cosmos, des forces lumineuses et ténébreuses. Voilà, on va retrouver cette thématique-là parce que c'est ma foi, ce sont mes convictions personnelles, c'est ce en quoi je crois. D'accord? Et vous n'allez pas retrouver, je sais pas moi, des cultes dédiés à Apollon, à je ne sais qui, parce que ben, ça me parle pas. Ça veut pas dire que j'aime pas. Au contraire, je suis passionné d'antiquité. J'adore la Rome antique, j'adore la Grèce antique. Bon, l'Égypte, on n'en parle pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas me lancer dans des choses qui ne vont pas me parler véritablement, qui ne font pas partie ou de ma culture ou de mes propres convictions, parce que j'aurais l'impression de, bah, de jouer faux, de pratiquer faux, et pire encore, de manquer de respect. C'est-à-dire que, je prends un exemple très concret, j'adore l'Égypte, et bah, tiens, le dernier rituel que j'avais fait pour la pleine lune, j'avais fait un rituel sur la balance karmique, où je m'appuyais sur la pesée du cœur, le rituel de la pesée du cœur avec Anubis, la plume de Maat, etc. Mais je l'ai adapté à ma sauce, à moi, c'est-à-dire avec ma touche de conviction personnelle. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas égyptien, je n'ai pas les pratiques exactes qui se faisaient dans l'Antiquité, et pour moi, ça serait quelque part manquer de respect envers les vrais égyptiens, envers les vrais prêtres et prêtresses qui pratiquaient, qui faisaient leurs rites, et même envers les dieux de ce panthéon, parce que je sais que bah, je vais faire des bourdes, parce que bah, je ne sais pas comment on faisait exactement, je ne sais pas exactement les ingrédients qu'on utilisait à cette époque-là, je ne sais pas exactement les formules qu'on employait, les formules de politesse, de style, etc., les écrits. Donc pour moi, en fait, le fait de faire ça, alors oui, on pourrait dire, mais ça part d'un bon sentiment. D'accord, oui, je suis d'accord. Effectivement, quand on fait les choses avec un bon sentiment, mais le bon sentiment fait pas tout. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire quelque chose qui part d'un bon sentiment et en fin de compte, très mal le faire. Et finalement, vexer davantage, voire carrément blesser, plutôt que de faire plaisir. Donc à ce compte-là, il vaut mieux s'abstenir, ne pas le faire. Si vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous allez faire, les bonnes intentions ne vont pas suffire, croyez-moi. Hein, encore une fois, dans la magie, hein, je reprends un exemple, hein, vous faites un rituel de guérison qui est censé être de la magie dite blanche, mais si ce rituel c'est pour aider quelqu'un qui fait le mal, bah oui, ça partait d'un bon sentiment, aider quelqu'un, mais ce quelqu'un, lui, il fait le mal. Donc finalement, votre rituel de magie blanche, dans votre karma, va s'inscrire comme un acte de magie noire, parce que du coup, vous avez aidé le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les bons sentiments, les bonnes intentions, ça fait pas tout. Croyez-moi, ça fait pas tout. Donc parfois, il vaut mieux s'abstenir de faire quelque chose plutôt que de mal le faire. Enfin, en tout cas, c'est ce en quoi je crois, moi. Voilà pourquoi tout ce qui va être apparenté à l'Égypte, il y a des choses dont je vais m'inspirer, il y a des choses que je vais faire, mais que je vais ensuite recréer avec ma propre patte, avec ma propre touche, et je ne vais pas forcément faire les choses pour les dieux en question, voyez ? Eh bien ça, c'est exactement cette réflexion-là que vous devez avoir avant de faire quoi que ce soit. Une fois que vous aurez analysé cette identité, et croyez-moi que ça va vous prendre du temps, faites cet exercice sérieusement. Si vous m'envoyez des messages pour me dire « ça y est Jojo, je l'ai fait » et que vous l'avez fait en 48 heures, non. Ça ne se fait pas en 48 heures, ça ne se fait pas en une semaine. Ce sont des questions de fond, c'est une véritable introspection que je vous invite à faire sur vous, puisque là, on est en train de poser toutes les bases de la spiritualité. Donc avant, on établit toute notre identité, ok ? Ensuite, le moment est venu de passer à la pratique. La pratique, là encore, va être définie et va être le reflet de qui vous êtes. Hein, n'oubliez pas que la pratique, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne commence pas d'abord à pratiquer et c'est ça qui va nous identifier. Je reprends un autre exemple. Je sais pas, vous allez vous lancer dans la cuisine et puis vous allez découvrir que vous aimez la cuisine. Non. En principe, si on veut devenir cuisinier, c'est qu'on aime la cuisine, on aime partager, on aime offrir, on aime faire des choses, on est dans la générosité, on a ce feeling avec la nourriture, etc. Et c'est ça qui va nous pousser à devenir cuisinier. Si vous le faites par dépit, bah
ça va pas vous plaire. Et puis vous allez en fait lâcher l'affaire, voyez? Bah, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire ne commencez pas par pratiquer quelque chose en espérant aimer, non. Au contraire, il faut que ce soit votre identité qui vous pousse à faire quelque chose, qui vous pousse à faire une pratique, et croyez-moi que ce sera beaucoup plus formateur pour vous, ce sera le mot. Et là, je fais référence à tout ce qui est la pratique du tarot, de la magie, du pendu, le spiritisme, le yoga, la lithothérapie. Il y en aurait beaucoup à dire. Il y en aurait beaucoup à dire. Parce que comme je l'ai dit, la spiritualité, ce n'est pas une ou plusieurs pratiques, c'est avant tout votre état d'esprit. Et là, on va partir sur les cartes pour appuyer ce que je m'apprête à vous expliquer. Je vois énormément de personnes qui se lancent dans les cartes en espérant trouver des réponses. Alors, dans le fond, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait juste en fait. C'est-à-dire que les cartes doivent être une extension de vous, une extension justement de vos convictions, de votre foi, de votre identité. Ne pratiquez pas les cartes parce que c'est cool, parce que c'est à la mode, parce qu'il y a des jolis jeux, parce que ceci... Non, ça ce sont les pires raisons en fait. Si vous mettez à pratiquer les cartes, c'est avant tout pour vous, hein, c'est pas non plus pour se faire du pognon, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que là aussi, si vous lancez dans les cartes pour devenir en fait voyant et avoir des consultations et arrondir les fins de mois en faisant 1000 euros par mois ou je ne sais quoi, ça aussi, alors franchement, ne le faites pas, parce que ça je crois que c'est même la pire raison qui soit. Non, si vous faites les cartes, faites-le pour vous, parce que ça va vous apporter quelque chose, parce que les cartes vont vous fournir un outil, un support qui va vous permettre eh bien de vous aider à identifier des choses parfois qu'on n'arrive pas à sortir, hein. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut sortir de notre conscience et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus enfouies et qu'on n'arrive pas à sortir, et dans notre vie il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qui voilà qui font qu'on n'arrive pas à avancer et on ne sait pas pourquoi, et pourtant on a fait tout un travail d'introspection, ça fait 40 ans qu'on fait ça mais on comprend toujours pas pourquoi. Eh bien les cartes peuvent être à ce moment là un support, un outil pour vous aider eh bien justement à mettre le doigt sur ce, ben, sur quoi vous n'y arrivez pas, hein. Et c'est ce pourquoi les supports, hein, et ça je vous en parle souvent dans les vidéos, c'est que peu importe ce que vous choisissez, que ce soit les pendules, les cartes, tout ce que vous voulez, ça reste des supports, ça reste des outils. Hein. Un cuisinier, concrètement, il n'a pas besoin d'avoir plein de robots, il n'a pas besoin d'avoir plein de matériel, il n'a pas besoin d'avoir plein de couteaux, non. Juste ses mains suffisent. Il sera capable de faire de la magie avec ses mains. Parce que c'est un vrai cuisinier, voyez? Donc n'oubliez pas que ce ne sont pas les supports, ce ne sont pas les outils qui vont vous apporter le pouvoir, qui vont vous apporter la spiritualité. Non, c'est vous, c'est votre spiritualité et vos outils, vos supports vont être l'extension de vous-même pour poser ce que vous avez dans votre tête et dans votre cœur. D'accord? Ne l'oubliez pas. Ça, c'est vraiment le fondamental à revoir, ce ne sont pas les outils qui vous confèrent du pouvoir, c'est votre pouvoir qui va se manifester à travers vos outils et vos supports. Continuons avec le sujet de la pratique. Maintenant que vous avez réussi à trouver votre identité, à vous définir en tant qu'être, vous allez pouvoir commencer à poser votre pratique. Là aussi, ça sert à rien de partir dans tous les sens, parce que là aussi, j'en vois énormément des personnes, hein, je vais pas en reparler, mais vous savez, les CV ronflants, hein, cartomancien, voyant, médium, jardinier, coiffeur, éleveur de licorne, machin, hein, on les connaît, ce genre de CV-là. Ça sert strictement à rien, vraiment, à rien du tout, parce que quand on veut être expert dans quelque chose, quand on veut maîtriser un domaine ou une matière, d'une part, ça prend du temps, hein, quand on veut devenir expert dans quelque chose, ça demande du temps, ça demande qu'on s'y investisse, ça demande qu'on maîtrise le truc, hein, prenez ne serait-ce que les diplômes, les doctorats, les maîtrises, les masters, tout ça, ce sont des personnes qui ont travaillé vraiment le sujet et puis l'ont poncé, mais alors, de partout, hein, eux, ils peuvent se permettre de se revendiquer experts, oui, parce qu'ils ont poncé à fond le sujet. Et je serais curieux de connaître toutes ces personnes, hein, qui se revendiquent tout un tas de choses. Est-ce qu'ils ont vraiment poncé le sujet
à fond? Est-ce qu'ils sont vraiment incollables sur tout? Je prends la lithothérapie, beaucoup de personnes se revendiquent être lithothérapeutes, mais quand on voit qu'il existe des centaines de variétés de pierres qui vont avoir chacune des centaines de critères de qualification, de composants minéraux, etc., etc., des composants minéraux qu'il va falloir ensuite identifier et travailler sur un point de vue un petit peu plus scientifique. J'ai même envie de dire qu'un bon lithothérapeute, il serait quelque part aussi géologue, qui va avoir des connaissances en géologie pour comprendre et connaître la minéralogie et la composition minérale des pierres. Et puis, il va ensuite se spécialiser sur, eh bien, les minéraux, à quoi ils correspondent. C'est-à-dire que dans notre corps, on va être composé de fer, de magnésium, de calcium, etc. Tous ces minéraux-là, on les retrouve dans les pierres. Ok, mais la plupart des lithothérapeutes, c'est, ils vont lire 2-3 bouquins, ils vont passer un diplôme que la voisine spécialiste en lithothérapie, qui elle aussi a décroché ce diplôme par une autre personne, ah, voilà. Ils vont lire 3 bouquins et pouf, ça y est, ils sont lithothérapeutes et ils vont te vendre la vertu des pierres à toutes les sauces. Mais pas du tout, pas du tout. La vertu des pierres se définit en fonction de leur composition minérale, en fonction de ce qu'elles vont véritablement apporter, en fonction de leur énergie, en fonction de leur aura. Enfin, c'est tout un tas de choses. Donc, vous voyez, pour moi, un lithothérapeute, c'est quelqu'un qui, c'est son domaine d'expertise. Quelqu'un qui se revendique lithothérapeute, ben, je vais pas dire qu'il y a passé sa vie, mais en tout cas, il y a passé une bonne partie de son temps quand même, hein. Et il a étudié la question bien à fond et il maîtrise quand même bien son sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous improvisez pas quelque chose ou quelqu'un parce que c'est ronflant, parce que c'est bien vu. Pas du tout. Au contraire, ça apporte une forme de décrédibilité qui est pour moi encore plus importante. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive et qui se présente, moi je suis médium voyant, machin, et avec un CV comme ça de 15 pages, tout de suite je vais me dire, toi t'es un charlot. Toi t'es un charlot parce que voilà. Non. Il vaut mieux que vous spécialisez dans des choses qui vous parlent encore une fois. C'est-à-dire que ne vous lancez pas dans les pierres si ça ne vous parle pas. C'est pas parce que c'est à la mode, c'est pas parce que c'est bien vu qu'il faut vous lancer dedans. Si pour vous les pierres ne vous parlent pas, ne vous lancez pas dedans, aussi simplement. Et surtout, spécialisez-vous dans quelque chose. Je vais reprendre l'exemple des cartes parce que ça aussi c'est un truc que je vois régulièrement passer sur les réseaux sociaux et qui, je vais être honnête avec vous, m'insupporte. Voilà. Alors je suis désolé si certains qui regardent la vidéo vont se reconnaître dans mes dires, mais je me dois d'être honnête avec vous et de vous dire clairement ce que je pense. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à faire cette vidéo, hein. On est là pour bosser avant tout. Et je vous l'ai dit, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Si je dois vous dire que ça va pas, ça va pas, hein. Si vous voulez des gens qui vous disent que tout va bien, tu es belle, tu es riche, tu es... Allez voir une autre chaîne, mais pas moi. Donc, par rapport aux cartes, s'il y a bien un truc qui m'insupporte, c'est ces personnes qui vont faire un tirage et qui vont même pas prendre la peine de l'interpréter, qui vont prendre une photo et qui vont le poster sur les réseaux sociaux en disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, quand je vois passer ce genre de post, j'ai qu'une envie de répondre, c'est « bah fais autre chose quoi ». Arrête, arrête de tirer les cartes, lance-toi dans le tricot, fais autre chose, parce que si tu tires les cartes et que tu demandes l'avis aux autres, ça va pas du tout en fait. C'est quand tu tires les cartes, tu n'as pas besoin d'un avis, l'avis de Pierre-Paul Jacques, pas du tout. Sachant en plus que chacun va avoir sa vision subjective du truc. Si je prends par exemple, je sais pas, le symbole de la clé. Pour certains, la clé va représenter le succès, la destinée, machin et tout. Pour d'autres, la clé va représenter les opportunités, la solution, etc. Vous voyez, chacun va interpréter les symboles, les imageries, etc., l'iconographie. Chacun va l'interpréter à sa sauce. Donc, le fait de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il en pense, eh bien, c'est se flouer la possibilité de trouver sa propre réponse et d'être influencé par quelqu'un d'autre qui sera subjectif en plus, qui ne va même pas pouvoir vous apporter une réponse concrète, mais qui va vous apporter, lui, sa version des faits. Mais c'est pas la vôtre en fait, hein. Donc quand vous tirez les cartes, faites-moi plaisir, arrêtez de demander l'avis de Pierre et Paul et faites un effort d'interpréter. Si vous ne vous sentez pas d'interpréter, alors ne le faites pas, ne tirez pas les cartes, faites autre chose à la place. Mais si vous tirez les cartes, faites l'effort d'essayer de comprendre le message.
scotch. Qu'est-ce qu'on essaye de vous faire comprendre à travers les symboles que vous venez de tirer? Il y a une maison, il y a une clé, il y a un cœur, il y a un labyrinthe. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et c'est comme ça aussi que vous allez travailler en profondeur d'une part votre intuition, hein, que vous allez un petit peu la booster, parce que c'est quand même le but aussi, hein, et puis élever votre conscience, élever votre spiritualité et faire votre propre identité. Parce que pour vous, du coup, vous allez identifier, je sais pas, vous allez associer la colombe à tel message, à tel symbole, etc., etc. Et vous allez fonder, vous allez créer comme si vous étiez une sorte de dictionnaire vierge. Voilà. Et dites-vous que chaque expérience de la vie, que tout ce que vous faites, eh bien, vous remplissez à chaque fois un mot, une définition, un chapitre, etc., etc., pour que lorsque vous arriviez à la fin de votre vie, votre dictionnaire soit le plus complet, ou en tout cas qu'il vous représente, hein. Mais si votre dictionnaire y ressemble au voisin, c'est dommage. C'est dommage parce que pour moi, vous aurez perdu une énorme opportunité, hein, c'est-à-dire votre vie entière, d'expérimenter, d'essayer par vous-même, d'essayer de comprendre certaines choses. Non, vous aurez été tout simplement, vous aurez pioché chez l'un, chez l'autre et vous serez fait votre propre truc. Ben non, c'est dommage, faites-le. Essayez, expérimentez par vous-même, hein. Et pour les cartes, j'en reviens à ça afin de terminer mon exemple, c'est le même principe. Arrêtez, s'il vous plaît, de partager vos photos, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Non, stop. Quand vous faites quelque chose, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, c'est une extension de vous-même. Donc les cartes que vous allez poser, elles reflètent ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ou alors ce sont les énergies, les esprits, là encore en fonction de ce que vous croyez. Ce sont les énergies qui ont précisément choisi ces cartes-là pour te délivrer un message personnel à toi que toi seul pourras comprendre. Donc le fait de demander à la voisine Martine qu'est-ce qu'elle en pense, c'est pas objectif parce qu'elle n'est pas à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'intérieur de votre tête. Elle n'est pas à l'intérieur de votre cœur, donc elle ne sera pas capable de vous précisément vous interpréter le tirage et de répondre exactement à la question dont vous avez besoin de connaître la réponse. D'accord ? Hein ? Essayez de réfléchir comme ça, c'est, croyez-moi que ça va vous aider pour votre identité et votre spiritualité. Et enfin, dernier chapitre sur l'identité, c'est tout ce qui va correspondre à votre vie en règle générale. Par exemple, votre style vestimentaire. Vous adorez, le look pin-up des années 50, etc. D'accord. Est-ce que vous aimez ce look parce que vous trouvez ça juste joli, parce que c'est à la mode, parce que vous avez une copine qui le fait, donc du coup vous suivez le truc, et puis vous êtes pris au jeu? Ou est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que dans votre âme et conscience, vous sentez comme appartenir aux années 50 parce que la mentalité correspond mieux à qui vous êtes, etc., etc. Voyez, vous habillez en gothique, pourquoi? Parce que vous trouvez ça énigmatique, envoûtant, il y a un petit côté satanique, pour faire cliché. Ou est-ce qu'au contraire, pour vous, le gothique, c'est une façon d'exprimer quelque chose, d'exprimer un sentiment qui vous qualifie, qui vous reflète? Voyez ce que je veux dire. Rien que le style vestimentaire est extrêmement important et va révéler votre propre identité. Hein, y en a qui vont s'habiller en mode baba cool, etc., parce qu'ils sont anti-code, anti-social, machin, avec un petit côté anarchiste, donc ils sont là, moi je suis contre les marques, je veux pas être comme tout le monde. Vous voyez, donc ça peut, mais quelque part, ça peut aussi faire partie de leur identité. Effectivement, s'ils n'ont pas envie d'appartenir à un genre, à quelque chose, à une case, n'importe quoi, le fait, de revendiquer à travers un style vestimentaire fait partie de leur identité. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, aussi, vos amis, vos activités, vos goûts, tout simplement. Hein, je sais pas, par exemple, vous avez plein de violets chez vous. Posez-vous la question, est-ce que j'aime vraiment le violet? Est-ce que je me suis pas laissé un petit peu influencer par Jojo qui nous parle de violet toutes les 2 minutes et finalement, il a raison, c'est pas si moche que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous aimez vraiment le violet? Je sais pas, moi, le gratin de chou-fleur, est-ce que vous aimez vraiment ça? Vous voyez? C'est des questions bêtes que je suis en train de vous poser, mais c'est des questions qui sont très importantes. Parce que on ne se rend pas compte qu'au quotidien, on peut être influencé par plein de choses. Ne serait-ce que moi, quand je vous fais une vidéo d'une review et que je suis là avec ma passion à vous dire « Oh là là, cet oracle, vraiment, les graphismes, je les trouve extraordinaires, et nanana, et nanana. » Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des arguments commerciaux pour vous faire acheter, mais quelque part sans le vouloir, je vous influence en vous disant que cet oracle me rend heureux. Donc s'il me rend heureux, moi, pourquoi est-ce que toi, il ne te rendrait pas heureux aussi? Donc achète-le. Vous voyez, c'est un message subliminal, alors que personnellement, c'est pas ma volonté.
quand je montre quelque chose, comme ça, j'ai des sentiments exacerbés, je ne les surjoue pas. Je vous les partage pour de vrai. C'est-à-dire que si ce jeu, je le trouve beau, c'est que je le trouve beau et que j'ai envie de vous dire qu'il est beau parce que je le trouve beau. Mais toi, tu es parfaitement libre de me dire, bah Jojo, excuse-moi, moi je le trouve moche. Mais tu as le droit de le dire. Je vais pas t'engueuler pour autant. Non. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas à aller dans mon sens. Et inversement, hein, vous n'avez pas à aller dans le sens de quelqu'un. Non. Et on s'en rend pas compte qu'on est influencé. Je reprends un autre exemple. Alors ça, je crois qu'il n'y a pas mieux comme exemple. Vous êtes dans le canapé, il est 21h30, 22h, vous avez très bien dîné, hein. Mais la bouche commence un petit peu à saliver. Et là, pendant le film, une pub est en train de passer pour, je sais pas moi, du chocolat, n'importe quoi. Et là, d'un coup, ah ouais, je mangerais bien du chocolat, vous voyez, voilà. Eh ben, vous êtes tombé dedans, voilà. Ce chocolat, vous en aviez vraiment envie, ou finalement, c'est pas ce facteur déclenchant qui vous a implicitement et très subtilement influencé et qui a orienté votre choix vers quelque chose de très précis, vous voyez ? Ben, encore une fois, posez-vous ce genre de questions-là, en vous disant, est-ce que c'est vraiment moi ? Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ou est-ce que je me serais pas un petit peu laissé influencer ? Voilà. Et ça, croyez-moi que si vous faites pareil cet exercice de façon sincère et honnête, que vous l'appliquez de façon quotidienne, non seulement vous allez faire des tonnes d'économies, oui, sur l'aspect financier, parce que du coup, si vous êtes plus influencé pour acheter telle robe, tel pantalon, tel jeu vidéo, tel machin, tel... Ben, hein, c'est comme les téléphones il en sort tous les 2 mois, hein, et on te fait comprendre que si tu n'as pas le nouveau Android là qui vient de sortir, tu as raté ta vie, hein, tu es mais vraiment, t'as plus qu'à te suicider, t'es nul, t'es voilà. Alors que tu viens de dépenser 1500 balles pour un super téléphone il y a 3 mois, hein, mais on te fait comprendre que le nouveau là, c'est lui qu'il te faut, l'autre il est vieux, il est moche, il est nul, il sert à rien, c'est lui qu'il te faut, c'est lui. Alors, ben, quelque part, vous faites encore influencer, hein. Quand vous passez devant des vitrines, quand vous avez du racolage par les vendeurs qui vous mettent en avant machin et tout, certains trucs, bah c'est pour vous attirer à consommer. Bon, en même temps, on leur en veut pas, faut bien aussi qu'ils fassent des sous, hein, j'ai envie de dire, c'est normal d'un côté, mais là où il faut se poser la question, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin ? C'est-à-dire que si vous êtes amené à acheter un pantalon, est-ce que vous l'achetez par nécessité parce que bah vous avez pris un petit peu que de 3 kilos ou au contraire vous en avez perdu, ou que tous vos pantalons sont déchirés, rapiécés, compagnie, et qu'effectivement acheter 2-3 vêtements neufs, ça serait pas du luxe quand même, voyez, posez-vous ce genre de questions. Ne consommez pas juste pour le plaisir de consommer, pour le plaisir de dépenser de l'argent, parce que bah, c'est bête en fait. Je suis sûr que vous, les 3/4 des trucs qui sont chez vous sont en train de prendre la poussière dans des placards, dans des tiroirs, sur des étagères ou autre. Vous imaginez le paquet de pognon, mais moi y compris, hein, le paquet de pognon qu'on vient de perdre. Là, je suis sûr que si on devait chiffrer, mais ça s'élèverait à des milliers d'euros. Bah, avec ces milliers d'euros, on aurait pu acheter la voiture cash. On aurait pu peut-être financer une bonne partie de la maison, hein. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire qui auraient pu être beaucoup plus utiles, parce qu'avoir un toit sur la tête, par exemple, c'est nettement plus utile qu'avoir 300 paires de Louboutin dans son placard, hein, ou 300 oracles, on s'en fout, c'est le même exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou le fait de partir en vacances, de se faire des choses qui nous font plaisir, de sortir plus souvent en resto parce qu'on est gourmand, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on est là à se plaindre à la fin du mois, oh là là, bah, il n'y a plus ça, d'accord. Mais regardez juste autour de vous, tout ce que vous avez gaspillé comme argent, bah, au lieu d'acheter tous ces trucs... Hein, cet argent aurait pu servir pour autre chose. Bon, mais sans parler de l'aspect économique, c'est tout un tas de choses, parce que finalement on réalise au quotidien que bah il y a plein de trucs qu'on n'utilise pas, qui ne nous correspondent pas forcément, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'on récolte là, de façon compulsive, bah, est-ce que vous les utilisez au quotidien ? Pas du tout. Bah, ça prouve que vous n'en avez pas besoin, hein. Sinon, vous les utiliseriez. On prend, ne serait-ce que nos ancêtres, hein. Nos ancêtres à l'époque, ils n'avaient pas de superflu. C'est-à-dire que, je sais pas moi, la gamelle, la cuillère en bois et la casserole qu'ils avaient, bah, c'était des trucs qu'ils utilisaient, dont ils avaient l'utilité, hein. Nous, on a tout un tas de casseroles, tout un tas de robots qui prennent la poussière et qu'on n'utilise pas. En soi, il nous faut quoi ? Une casserole pour faire cuire des pâtes ? Et une autre casserole pour faire revenir le steak dedans. Et encore, dans l'extrême, une seule casserole serait capable de tout faire, hein. C'est juste une question de temps, là encore, histoire de gagner du temps. Donc du coup, on accumule encore plus de choses pour maximiser le temps, hein, alors que non, c'est que là aussi, hein, bon, bref, mais c'est un autre débat. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous avez 4 points d'identité à travailler. Et c'est une fois que vous aurez travaillé ces 4 points d'identité que vous allez vous définir en tant qu'être. Et que vous
vous allez vraiment pouvoir mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX et vous définir dans l'espace et le temps. Quand vous saurez corporellement qui vous êtes, quand vous serez ainsi accepté, quand vous aurez défini vos convictions, vos croyances, etc. dans votre tête, et quand vous aurez ensuite fait le point sur le reste de votre vie en vous disant est-ce que ça me correspond vraiment, est-ce que ça j'aime vraiment, est-ce que ça c'est vraiment moi, est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi, eh bien croyez-moi que ça va changer énormément de choses et que naturellement, vous verrez, vous allez avoir une forme de sagesse qui va se manifester à vous, une forme de spiritualité, parce qu'une fois que vous serez détaché du plan matériel, du plan des influences de la société, de votre entourage, etc., eh bien votre spiritualité, pouf, elle va germer d'un coup. Et vous allez voir la vie de façon très différente, parce que vous allez apprécier ce que vous avez, vous allez apprécier ce que vous obtiendrez à la sueur de votre front, vous allez apprécier les choses simples de la vie, hein, quand vous allez vous promener, oh, une fleur, un oiseau, aujourd'hui on ne sait même plus regarder une fleur, un oiseau, pour nous c'est normal, le ciel est bleu, il y a le soleil, les oiseaux chantent, c'est normal, on s'en fout, on n'y prête même plus attention. Bah non, pourquoi les oiseaux, ils peuvent très bien s'arrêter de chanter demain? Et ben, si ça se passait, ben, on se rendrait compte qu'il nous manque quelque chose. Hein, quand on ira en forêt, on se dirait, tiens, c'est bien calme, qu'est-ce qui manque? Ah, les oiseaux. Là, on se le dirait, voyez, on se ferait la réflexion. Mais tant qu'on l'a, on ne réalise pas ce que l'on possède. Hein, c'est comme quelqu'un, je sais pas, avec qui on vit, le jour où il part, on se met à pleurer, on le regrette. Bah ouais, mais écoute, ça fait 15 ans qu'il est à côté de toi, tu t'en fous, alors viens pas pleurer maintenant que tu l'as plus. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, l'être humain, il est toujours comme ça. C'est-à-dire que tant qu'il l'a, il s'en fout, il l'utilise pas. Par contre, le jour où il l'a plus, il le veut. C'est bizarre, il le veut parce qu'il l'a plus. Vous voyez, on est quand même très bizarre. Hein, voilà. Bah, le fait de refaire votre identité, vous verrez que le jour où vous perdrez des choses, bah, ça vous fera, vous serez plus détaché parce que vous direz, vous poserez la question, finalement ça je l'ai perdu mais en fin de compte j'en avais pas vraiment l'utilité. En fin de compte cette personne je l'aimais pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous verrez que bah, c'est ça qui va définir votre spiritualité. Hein. Voilà donc mes chers amis pour cette vidéo un petit peu longue, je suis d'accord, mais comme je vous l'ai dit, on est sur un format vacances, un format détente, il faut vraiment qu'on prenne du temps pour se développer, je vous l'ai dit, hein, ça va être le programme de cet été, le développement personnel, l'introspection personnelle, et je compte vous accompagner tout cet été pour qu'on travaille tout ça ensemble, afin qu'on puisse reprendre la rentrée avec notre spiritualité au taquet. Sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos.